Salut les gens, c'est Nordfam, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exvius. Cette vidéo fait partie de la série Event Boss Tutorial. Et aujourd'hui, on va parler d'un boss qui s'appelle Kanshu et Bakuya, composé de deux dragons. Alors avant de démarrer le petit tutoriel, comme d'habitude, je souhaitais remercier particulièrement toute la communauté. La semaine dernière, j'ai fait un appel pour avoir un peu plus d'abonnements parce que j'étais en dessous des 1000 abonnés. Et vous avez répondu présent. J'ai eu plus d'une centaine d'abonnements et la chaîne maintenant est à plus de 1000. C'est vraiment génial. Je vous remercie de votre aide. Et voilà, franchement, c'est super cool. Enfin, je vais pouvoir continuer à faire des vidéos YouTube avec toutes les options nécessaires, etc. Après, entre nous, hein. Pour être totalement transparent avec vous, YouTube ça rapporte pas grand chose. En 6 mois, de chaîne YouTube, avec à peu près 8000 heures de vues en termes de temps vu de vidéo, j'ai gagné 72 euros qui sont sur un compte YouTube que je n'ai pas touché. En gros, on va faire simple. Dès que j'aurai atteint la somme de 350 euros, donc c'est-à-dire pas demain la veille, mais dès que je l'aurai atteinte, je prendrai ça en compte Amazon et je ferai un méga pool, j'espère pour Sephiro ou un truc comme ça. Si j'ai des dons, voilà, je les cumulerai. Mais à partir du moment où j'aurai 350, je prendrai le gros pack de Amazon, ce qui me permettra de faire une vidéo de pool. Je sais que c'est... Bon, j'en ai jamais fait, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, donc voilà. Allez, on arrête sur tout ça, je vous ai remercié et c'est bien cool et l'aventure continue, donc on y va. Alors, Kanshu et Bakuya, donc deux boss, sont accessibles donc, via le Vortex, et donc 30 d'endurance, et c'est un seul combat. Vous pouvez gagner des choses assez intéressantes. Si vous terminez la quête, vous avez 100 lapis. Ensuite, si vous terminez Kanshu en le tuant avec le skill Vengeance de Bakuya, je vous expliquerai comment on va faire, vous allez gagner une épée de Kanshu. Donc cette épée de Kanshu, concrètement, elle est vraiment pas mal, parce qu'elle a une attaque, c'est une Greatsword, avec une attaque de plus 83, voilà. Et surtout, elle a un skill, en fait, qui vous permet de gagner 20% de défense si vous utilisez une épée. Ça tombe bien, parce que si vous terrassez Bakuya avec Ir de Kanshu, donc qui est le deuxième skill, donc vous gagnez donc l'épée de Bakuya. Et l'épée de Bakuya elle-même donc a une attaque de 51 et une magie de 41. Et en fait, cette épée, elle vous donne 20% donc de SPR, donc de Psy, quand vous êtes équipé donc du Greatsword. Donc, autant dire que l'ajout des deux... vous permettra d'avoir un attaquant vraiment pas mal du tout. Et ensuite, vous pouvez gagner un mock de confiance 5%. Alors, ensuite, avant de parler de la team, je vais choisir une unité. Donc, pour moi, c'est simple. L'unité qui cartonne ici, c'est Frevia. Voilà, ni plus ni moins. On va vraiment la faire avec Frevia. Parce que Frevia est l'unité VIP pour ce boss. Donc je vous conseille vraiment de prendre une Frevia pour ma stratégie. Ensuite, on est dans un tutoriel complètement free-to-play. Donc je vais vous présenter l'équipe. Première équipe donc avec Luluka. Ensuite avec Warrior of Light. Ensuite avec Ilias, Agrias et Soleil. Vous remarquerez au niveau des chimères que Luluka est équipé donc, de façon à avoir des bonnes statistiques grâce à Bahamut. Ensuite, ici, on a Golem pour notre tank. Ilias, je lui mets Titan. Ici, pour le Tu-Dragon, Odin sur Agrias, parce qu'effectivement, vous avez compris, deux dragons, Tu-Dragon, ça peut le faire. Et ensuite, j'ai mis la chemise sur Soleil. Au niveau des équipements, honnêtement, j'ai vraiment mis que du free-to-play. Ou des choses récupérables, donc vous voyez, voilà, j'ai essayé de faire un mix entre des PV. Alors, sur la healeuse Ululuka, on va mettre forcément plus de psy, parce qu'on va essayer d'augmenter ses heals. On essaie de garder un pool de PV proche de 5000, et le plus de psy possible,
Voilà, vous pouvez regarder. Ensuite, Survivor of Light, vous voyez que j'ai mis le Genji Shield. Voilà, mais c'est juste parce que c'est un bon shield. J'ai essayé d'augmenter les PV au maximum. Pas mal de def parce que il va tanker. Vous voyez que j'ai mis l'aventurier, hein, plus 40%. Voilà. Mais si vous avez moins, c'est pas le mieux. Et ensuite, il a des PV plus 15%. Ilias, c'est vraiment du basique. Ah, pardon, bah, vous voyez, je me suis trompé, j'ai mis une TM. On va l'enlever tout de suite. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place Qu'est-ce qu'on va mettre à la place Bonne question. On va lui mettre. Bah, c'est bien. Le costume de Rain, tiens, par exemple. Ça peut être pas mal. Alors, si j'ai mieux. Non. Les ailes d'ange. Voilà. Par exemple, les ailes d'ange. Voilà. Je pense que. Vous voyez, c'est des stats assez classiques. ensuite, au niveau des aptitudes, j'ai mis du PV. Voilà. Juste pour qu'il puisse résister. Ensuite, Agrias. Et là où c'est là où la seule TM est là. Je vous conseille d'avoir deux armes. Donc c'est la TM de Jidan. Il vous la faut, hein. C'est clair. Vous pouvez le faire avec une arme, mais ça va être la loose. C'est très long. Donc ici j'ai mis uniquement. Donc j'ai mis une Great Sword, une Sword, de façon à monter, vous voyez, à 672 d'attaque. Ce qu'il faut noter, c'est que bon, c'est que des choses qui étaient récupérables, bien sûr. Donc on essaye de monter son attaque au maximum avec un pool de PV plutôt correct. Agrias, pas mal, donc il est poté. Et ensuite, surtout, il a tu dragon sur lui, c'est important. Ensuite, sur la Miss Soleil, donc pareil, vraiment essayer de monter les PV correctement. Donc vous voyez, j'ai mis. J'ai mis des PV, vous voyez, le murmure de Morbol, c'est uniquement pour les 20% de PV. Pragina du Sage, ça sert à rien, je lui ai mis juste PV plus 10%, PV plus 10%, parce que j'en avais plus. Et Serment du Serviteur, c'est pareil, c'est pour les PV de plus 10%. Voilà, ça fait des stats honnêtement plus que corrects. En plus, avec ce que va nous donner Soleil en termes d'ajout de bonus, plus 120%. Vous verrez, alors, juste une petite chose avant de démarrer, vous verrez que les skills... sont montés en plus d'eux. Donc danse sauvage, toutes les danses sur Soleil. Ensuite sur Agrias, son code du chevalier et la rune divine sont plus 2 pour faire plus de dégâts forcément. Ilias, j'ai pas touché. Warrior of Light, forcément la lumière nous protège et présence vaillance sont plus 2. Et sur Luluka, la régénération et le miracle de la princesse sont plus 2. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Donc du coup on va pouvoir expliquer un petit peu ce boss. Alors, donc ce sont deux boss, Kanshu et Bakuya. Ici vous avez Kanshu, voilà, et ici vous avez Bakuya. La spécificité de Kanshu et Bakuya, ce sont deux dragons de level 99 qui sont vulnérables à l'attaque, défense, magie et psy-break. Donc c'est-à-dire qu'on peut les breaker. Donc, paf, il va falloir surtout ne pas s'en passer des breaks. Ensuite ce sont des dragons de level 99, ils ont tous les deux 2 800 000 HP. Ils ont des manières différentes. Il y en a un qui attaque magique et l'autre attaque physique. Donc, en fait, Kanshu est plus fait mal au physique et Bakuya fait plus mal en magique. Et ensuite, leurs défenses sont pas du tout pareilles. Kanshu a 3000 de défense en spirit et en défense et 300 000 en spirit et Bakuya qui est ici. À 300 000 de défense et 3 000 de SPA. Donc c'est simple, en fait on va faire un cycle comme d'habitude et vous allez voir que les boss en fait vont nous donner accès à des skills au random sur chacun des unités qui portent le nom de l'inverse. Je sais que c'est assez compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Juste, dernière chose, ils n'ont pas forcément de résistance élémentaire et ils ne tapent pas résistance élémentaire. Ils ne tapent pas en élémentaire. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête. On va faire ça sur 3 tours. Et à chaque fois, je vais vous dire ce qu'on va faire sur Luluku, Warrior of Light, Ilias et Soleil. Et après, Agrias et Frevia vont être plutôt en mode adaptatif en fonction de ce qu'on a à faire. Alors, Luluka, tour 1. Régénération, tac, très important, comme ça on a un pool de PV qui va revenir chaque tour. Wall, première chose qu'on fait, c'est le break, attaque et magie, donc c'est l'efface arme, ce qui permet que la guip prenne moins cher. Ensuite, particularité, Ilias va nous faire donc son sérum protecteur,
Pourquoi? Parce que ces deux oiseaux peuvent caster des skills qui vont faire moins 90% de def et de psy sur la team. Donc ça sert à rien de les protéger si au moins ils ne sont pas protégés contre ce debuff là. Parce que du coup, ça fait vraiment très mal. Ensuite, on va faire la danse inspirante qui est ici. Tac, sur notre ami Soleil. Voilà. Et là, sur le premier tour, vous voyez qu'en fait... Kanchu et Bakuya ne sont pas des buffs, donc du coup, on va pas essayer forcément de leur faire mal. On peut regarder ce que ça fait, mais imaginons par exemple qu'on tape... vous avez remarqué que j'ai pris un physique et un hybride, donc en fait, Freya va taper magique. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur le premier tour, on va vraiment rester protégé. Donc là, il va nous taper, mais vous voyez qu'on tanque bien. On tanque vraiment très bien. Parce que justement, on ne peut pas se faire briquer. Deuxième tour. Donc, la miss ici va nous faire, deuxième tour, le miracle de la prêtresse. Comme ça, on va régénérer les MP perdus. Voilà, hop. Parfait. Ensuite, sur Warrior of Light, on va protéger toute la team grâce à la lumière nous protège. Voilà. Et avec Ilias, on va faire la recette spéciale. Tour 2, voilà, qui va nous permettre d'avoir accès à d'autres skills plus tard. Et avec Soleil, on fait la deuxième danse, qui est ni plus ni moins que la danse vivifiante. Voilà. Et là, on va regarder. Ici, est-ce que... Voilà, vous voyez, j'ai Ir de Kanchu, qui vient d'apparaître sur Agrias, et sur Russell, j'ai Vengeance de Bakuya. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens? Alors, sur Bakuya, on va faire Ir de Kanchu. Voilà, on va commencer comme ça. Tac, boum. Voilà. Donc, maintenant, il est ce boss-là, et entre guillemets, non résistant à la magie. Vous verrez que, regardez, tac, vous voyez que je vais diminuer sa psy, mais de beaucoup. Parce que ce skill-là fait qu'en fait, je vais diminuer l'espère de 99%. Donc, c'est vraiment utile. Alors, hop, avec elle... Je vais lui faire donc les pétales gelés. Et vous voyez qu'il va prendre plutôt cher. Voilà. C'est plutôt pas mal. Très très bien. Ensuite, vous voyez que ça passe, mais vraiment nickel. Luluka, on recommence. Miracle de la prêtresse. Voilà. Et avec Guerrier de la Lumière, oh bah je suis en tour 3. Mais là j'ai la Ire de Kanchu qui est bien aussi. Donc tour 3. Je peux utiliser Ir de Kanchu, voilà, ni plus ni moins, sur Warrior of Light. En fait, Ilias, c'est pareil, je vais vérifier. Ilias, j'ai rien du tout, donc je continue mon tour. Je fais les vitamines, donc les MP, voilà, parfait, sur Ilias. Okay. Sur Warrior of Light, en fait, à ce tour-là, j'aurais pu faire la présence vaillante. Mais je vais en profiter pour faire la Ir de Kanchu, en fait. Je vais quand même vérifier, hop, là, ici, elle est à la vengeance de Bakuya, mais... Elle, je peux pas la faire arrêter de danser. Donc, danse vivifiante. Voilà, hop. Et elle, elle a... Vous voyez qu'elle a pas de... Elle a pas récupéré le skill. Et Agrias, non plus, n'a pas récupéré le skill. Donc, c'est bien Warrior of Light. Donc, on va faire Ir de Kanchu avec Warrior of Light. Tac, sur celui-là. Voilà. Et là, Russell va nous permettre de taper Freya. Continuant sur elle. Si on regarde ce que va faire Agrias... Je fais par exemple, juste pour l'exemple, la rune divine. Regardez, mais il prend rien. Donc effectivement, c'est pour vous montrer que c'est bien en magie qu'il faut taper lui et en physique qu'il faut taper lui. Allez, on continue et vous voyez qu'on est au tour 4, donc on est revenu au tour 1. Donc si on est revenu au tour 1, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revient. Donc c'est régénération au tour 1. Guerrier de la lumière au tour 1, on a dit que c'était le break d'attaque et de magie. Hop, tac. Ilias. Au tour 1, ah bah là, la vengeance de Bakuya. Sauf que je peux pas l'utiliser parce que Ilias, j'ai absolument besoin de son sérum protecteur, sinon ma team va se faire déchirer. Donc je reprotège toute la team. Ensuite, ici, avec elle, on est donc tour 4, donc c'est comme le premier tour, c'est la danse 1. Pardon, c'est la danse vivifiante, parce que elle, c'est 1 sur 2. Voilà. Et là, on va regarder. Agrias, est-ce qu'il a des skills? Non. Et Russell, est-ce qu'elle a des skills? Non plus. Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'elle est toujours... Non, vous voyez qu'elle a plus son debuff de psy.
Voilà. Donc, à ce tour-là, j'ai envie de dire, on va protéger les deux qui sont ici. Ça sert à rien de se prendre la tête. Voilà. Et vous voyez que ça passe super bien. Ça passe très très bien. Allez, on continue. Donc là, elle a le Yard Kanshu. Donc, j'allais dire, vous voyez que ma team est en bon état, que ça régène tout seul, etc. Donc, on va pouvoir utiliser. Je vais regarder si j'ai quand même quelqu'un d'autre avec... avec un skill, non. Donc lui, je vais quand même faire ses lumières nous protègent tranquillement. Lui, est-ce qu'il a quelque chose à mettre? Non. Je vais mettre donc sa recette spéciale autour d'eux. Soleil, elle va continuer à danser. Donc ça, c'est la danse inspirante ce coup-là. Vous pouvez voir, en fait, si vous switchez de l'un à l'autre, quelle danse vous devez faire. Parce que, en fait, la danse que vous n'avez pas faite... va buffer les deux. Vous voyez, ici, c'est écrit Psy et Def, alors qu'ici, c'est écrit que Def. Ça veut dire qu'en fait, j'ai fait cette danse-là au coup d'avant. Donc là, je vais faire la danse inspirante. Voilà. Agrias, est-ce qu'il a quelque chose? Il a le Bakuya. Tiens. Il a le Bakuya. Il a le truc de Bakuya. Donc, c'est pour Kanshu. Mais comme c'est lui qui t'a tapé, ça ne sert à rien. Et elle, eh ben, elle n'a rien du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... sur Bakuya, la Ire de Kanshu. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est Agrias qui doit taper sur Kanshu. Sauf que Agrias vient de prendre le skill qu'il faut, en fait, pour pouvoir taper lui. Mais comme c'est lui qui doit le taper, ça sert à rien. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur Bakuya la Ire de Kanshu. Voilà, hop, tac. Et c'est là, on va réutiliser Russell pour... Donc Frevia pour faire mal à celui-là. Et Agrias, il n'a pas... on va quand même taper la vengeance de Bakuya dessus pour montrer qu'on peut enlever quelques pourcents. Quelques pourcents. Voilà. Tour 3. Donc vous avez bien compris qu'il faut être capable de vous adapter. En fonction de ce qui se passe, Luluka, est-ce qu'elle a quelque chose? Non, elle n'a rien du tout, donc avec Luluka. Tour 3, je vais remettre le miracle de la prêtresse et il est tout le monde. Tour 3 avec lui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tour 3, j'allais dire, lui, normalement, il n'a pas de skill, donc je peux utiliser sa présence veillante. Voilà. Et avec Ilias, est-ce qu'il a un skill? Non, il n'a pas de skill qui lui a été pris. Donc, du coup, je vais remettre des MP à tout le monde. Voilà. Et ensuite, sur Soleil, malheureusement, la vengeance de Bakuya, mais sur Soleil, surtout pas faire de skill. Donc là, vous voyez que c'est bien la danse vivifiante qui a les deux debuffs. Entre l'inspirante et la vivifiante, c'est elle qui a la double def psy. Donc c'est elle qu'on va faire. Tac. Et donc là, ici, est-ce que j'ai un skill sur l'un des deux? Ah, Ir de Kanshu, ici. Tac. Donc là, c'est sur Bakuya. On va faire donc Ir de Kanshu sur Bakuya. Voilà, hop. Et du coup, ça va nous permettre de taper avec Frevia. Bon, on n'a pas de chance parce que c'est vrai que lui, là, Kanshu, ne prend pas beaucoup, quoi. Donc, bon. C'est pas grave. On va continuer. Là, on réarrive en tour 1. On vérifie sur elle, on n'a rien de spécial. Donc, tour 1, je remets la régénération. Normalement, là, je dois briquer l'attaque et la magie. Sauf que là, j'ai la vengeance de Bakuya. Je vais vérifier si je l'ai ailleurs. Non, je ne l'ai pas. Donc, lui, je vais faire un sérum protecteur. Elle va continuer à buffer. On va faire la danse inspirante. Voilà. Et là, est-ce qu'on a des skills qui sont apparus? Non. Et lui, il a... pas de skills qui sont apparus aussi. Alors du coup, je vais quand même tenter. Voilà, sur Kanshu, parce que comme on n'a pas beaucoup tapé, je vais faire Vengeance de Bakuya. Tac, voilà, sur Kanshu. Et Kanshu, il va prendre la rune divine. Et comme elle tape hybride, elle va pouvoir taper les deux. Donc là, normalement, Kanshu va pouvoir lui faire mal. Voilà, c'est pas trop mal. Mais vous voyez que je prends vachement plus cher, parce que j'ai pas break l'attaque et la magie, à cause du fait que j'ai utilisé le skill en tour 1. Donc là, à ce tour-là, je vais... Ah, putain, j'ai encore le truc de Bakuya sur lui. C'est pas grave. Alors, je vais heal avec le miracle de la prêtresse sur tout le monde. Hop. Voilà, c'est très bien. Ilias, il a rien du tout. Donc, je vais mettre la recette spéciale. Voilà. Sur Soleil, je vais
continuer à faire mes skills. Voilà. Là, je vais regarder sur les deux s'ils ont récupéré des skills. Non. Et non. Donc là, j'ai la vengeance de Bakuya. Donc, je vais continuer. Hein. Bakuya, c'est... tac. Et là, avec Agrias, je vais continuer à taper. Rune divine. Et... pétale gelé. Voilà. Depuis moi. Ah, c'est pas trop mal. Pas trop mal. Et vous voyez que je vais prendre cher aussi parce que j'ai... enfin, pour l'instant, ça va. Mais je devrais vraiment débuffer encore. Il l'a encore pris. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. On continue. Allez, on va heal tout le monde. On va quand même en profiter pour remettre un coup de régénération à tout le monde. Voilà. Ilias, il va remettre les PM à tout le monde. C'est important. Et elle, eh ben, elle va mettre la danse qui va bien. Vous avez compris le principe normalement. Hein. Donc là, j'ai pas de skill. Là, j'ai pas de skill. Sauf que là, j'ai toujours la vengeance de Bakuya, donc on va continuer à taper sur Kanchu, vengeance de Bakuya, et là, tac, on met la rune divine, ça va bien. Et on y va, tac, voilà. On voit que les deux sont carrément, quasiment au même nombre de pourcents. Vous voyez que, oula, oula, faut faire attention, parce que là, je vais arrêter les bêtises, et je vais break l'attaque. Je vais vraiment break, hein, parce que du coup, je peux plus l'attaquer la magie. Voilà, c'est break, c'est beaucoup mieux, c'est ce qu'il faut. Miracle, ici, pour vraiment remonter les PV. Tac, voilà, c'est mieux. Et ensuite, vous voyez que là, malgré que j'ai l'air de Kanchu, ici, là, je vais pas pouvoir l'utiliser, parce qu'il faut absolument que je me protège contre les debuffs. Là. Ici, je vais faire la danse, voilà, et là je vais vérifier si on a chopé quelque chose, non, et sur elle, non plus, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question, et eh ben, on va les protéger, ni plus ni moins, voilà. Là vous voyez que ça va mieux, ça fait moins mal, forcément, puisqu'on a breaké pour 3 tours, donc c'est bien. Alors, on va regarder tout de suite. Elle n'a rien de spécial. Les PV sont bien remontés. Donc, miracle de la prêtresse. Allez, c'est parti. Tac. Ici, on va regarder. Vous voyez qu'on a absolument rien. Je vais faire la lumière nous protège. Tac. Avec Ilias, je vais vérifier. Non, j'ai rien. Donc, je vais mettre la recette spéciale. Tac. Là. Ah, soleil. Soleil à la hire de Kanchu. Voilà. Donc là, à nous de savoir. Et là, j'ai la vengeance de Bakuya. Ici. Donc, Bakuya. Donc, c'est pour le physique. Le problème, c'est que c'est lui qui tape aussi. Donc, c'est pas cool. Alors, avec soleil, je l'ai dit, je ne prends pas de risque. Cependant, sur Kanchu, je vais quand même mettre la vengeance de Bakuya, qui est ici. Voilà, pour faire un peu de DG. Et puis, je vais mettre un peu de... Qu'est-ce que je vais faire? Bonne question. Même si c'est une hybride, elle va pas lui faire grand-chose. Hein. Voilà, 3%. Voilà, enfin, un peu mal, mais c'est pas génial. Tranquillement, ça passe. 33%, 29%. Il faut bien descendre les deux en même temps, hein, comme je vous l'ai dit. Bien descendre les deux en même temps. Guerrier de la lumière, parfait. Il a tout ce qu'il faut. On va se faire target. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même réduire l'attaque et la magie pour que au tour d'après, si jamais sur Warrior of Fight, j'ai un skill qui apparaît, je puisse l'utiliser, c'est important. Alors là, je vois que effectivement, je suis au tour 12, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc c'est le tour 3. Je peux l'utiliser, lui. Donc c'est la vengeance de Bakuya, qui vient de se mettre sur lui, donc là je fais ma danse. Donc la vengeance de Bakuya, elle se fait sur Kanchu, donc c'est lui physique. Est-ce que lui a quelque chose? Non. Et est-ce qu'elle a quelque chose? Non. Donc je vais bien l'utiliser. Allez. Vengeance de Bakuya sur Kanchu, voilà. Et là, donc on va faire...
la rune divine, pour voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Et avec elle, on va descendre de encore 3%. Voilà. Et puis après, on va surtout essayer de les descendre tout doucement. Faites attention, faut surtout pas les tuer. Surtout pas. Alors, Lulucas, on continue à faire comme tout à l'heure. Sauf que là, en fait, on va mettre la régénération pour qu'à chaque tour, on ait des PV, puisque on peut l'utiliser. Là, on n'a rien de spécial. Donc, je vais continuer à faire. Du coup, la change de stratégie, je vais faire vraiment que le break d'attaque et de magie. Ça suffit largement. Comme ça, je peux utiliser. Là, j'ai la vengeance de Bakuya. Cependant, sur ce tour 13, c'est comme le premier tour. Je suis obligé d'utiliser le sérum protecteur parce qu'après, je ne l'aurai plus. Voyez. Tac. Donc là, je ne suis pas protégé. Donc il faut que je reprotège. C'est très important. Donc là, du coup, je suis protégé à la réduction de psy et de défense. Je ne peux pas faire autrement. C'est pas possible. Ici, donc, l'abondance qui va bien. Et là, je vais vérifier. Est-ce que j'ai quelqu'un? Là, j'ai la hyère de Kanchu. Tiens, c'est pas mal. Et là, j'ai rien. Donc avec la hyère de Kanchu, je vais pouvoir taper Bakuya. Donc, je vais taper la hyère de Kanchu. Hop. Voilà. Et la question, c'est est-ce qu'avec elle, je ne vais pas trop lui défoncer. Donc, je vais faire un skill un peu moins puissant. Est-ce que 31%, ça va passer? Je crois que je l'ai fait deux fois. Je pense que je vais lui faire un peu trop mal si je lui fais les pétales gelés. Donc, je vais lui mettre plutôt l'âge de glace, qui est un skill un peu moins puissant, pour voir jusqu'où ça va aller. Pardon, je me suis gouré. Ah merde, bon tant pis, j'ai fait une couille. C'est pas grave, je me suis trompé de skill sur Previa, c'est pas très grave. Hein. On va juste descendre tranquillement tout le monde. Miracle ici, tac, ensuite lui, on va mettre toujours l'attaque et la magie. Ilias, là j'ai la Kanchu, donc je vais continuer. Hop, Kanchu, voilà, puisque j'ai mis juste avant ce qu'il fallait. Et donc, grâce au truc de Kanchu, je vais utiliser l'éclat de givre pour voir combien je mets. Hop. Voilà, tout doucement. C'est pas grave, tout doucement. Et là, avec Agrias, j'ai quoi? J'ai Bakuya. Donc, je vais pouvoir taper Kanchu. Vengeance de Bakuya. On peut voir que on fait. Oula! Vous voyez que ça lui fait mal. Donc il faudra faire attention. Alors, là on va regarder, donc miracle de la prêtresse. Ici, on va continuer à faire l'attaque et la magie. Avec Ilias, vengeance de Bakuya. C'est très bien, vengeance de Bakuya sur Ilias. Vengeance de Bakuya, Ilias faisant beaucoup moins mal que Agrias, puisque Ilias... ne fait qu'un seul coup en fait, donc là ça va bien m'arranger parce que il va le descendre à 4%. Voilà, parfait. Ensuite ici sur elle on va continuer, voilà. Agrias, bonne question Agrias. Alors, et ici on a mis les pétales, donc là je vais mettre les pétales de gelée sur Kanchu et je devrais enlever 3%. Voilà, parfait. 3% tout à l'heure. Et là, on va attendre de pouvoir descendre notre ami Bakuya. Donc maintenant, on va chercher les unités qui peuvent avoir la hyère de Kanchu. Hop, donc là, tout va bien, rien de spécial. Ici, on va mettre la hyère de Kanchu sur Bakuya. Parfaitement, voilà. Hop, boum, très très bien. Ilias, lui, va remettre son sérum protecteur, très important. Et là, on va continuer à mettre nos danses qui vont bien. Voilà. Et avec Russell, on va faire vraiment très attention de ne pas aller trop loin. Parce que là, si je fais la pétale gelée, je vais le défoncer en un coup. Voilà. Donc, on ne veut pas le défoncer en un coup. Pas du tout, du tout, du tout. C'est pas de tout le truc. Donc si je lui fais H de glace, s'en fout, pétale, éclat de givre, on a vu tout à l'heure, on va lui faire le sabre de glace pour voir ce que ça donne. 21, 19, voilà. Et lui, tranquille. Faut prendre son temps avec ce boss, vous prenez pas la tête, on n'a pas besoin d'aller vite. On va,
va aller doucement, c'est le but, pour pas vraiment pas casser la dynamique. Attaque magie, voilà. Ici, vengeance de Bakuya, Kanchu, on va sûrement pas le faire. Donc on va continuer à faire le sérum au cas où ce soit Ilias qui récupère des choses. Voilà, là ici elle, on s'en fiche, on va continuer. Et là, ce serait bien qu'on ait la IR de Kanchu quelque part. Je l'ai pas. Ah là, je l'ai. Donc je vais pouvoir en mettre 18. Voilà, bon, écoutez, hein, ça continue. Tout doucement, tout doucement. Il faut être patient avec ce boss là. C'est le principal. Alors, Luluka va continuer à heal tout le monde. Tac, Warrior of Light va continuer à mettre son break d'attaque et de magie. Ilias, tiens, il a l'air de Kanchu. Donc, on va pouvoir mettre là, hop, l'air de Kanchu. Voilà, 16%. Soleil, elle a la vengeance de Bakuya, mais on va pas l'utiliser. Et là, on fait la Def et la Psy. Et là, avec lui, on va vraiment... Ah. Là, on aurait pu finir. Donc, j'ai été bête. Tant pis. C'est pas très grave. Je vais lui mettre l'éclat de givre sur Bakuya. 13. Tac. Voilà. Ok. Et on arrête là pour l'instant. Tac. Allez, on va continuer tout doucement. Attaque magie. Là, avec elle, on va continuer à heal. Lui, la vengeance de Bakuya. Mais on s'en fout parce que Kenshu est quasiment mort. Tac, tac. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire. La vengeance de Bakuya. Ouais, sauf qu'on s'en fiche. Donc lui, il va mettre sa recette spéciale pour qu'au tour d'après, on puisse mettre un peu de mana, parce que là, on va arriver vraiment en limite de mana. Et où est la hier de Kanchu? Je vous le demande. Où est cette hier de Kanchu? Eh bah, ben, nulle part. Donc du coup, on attend pour ce tour-là, tranquillement. Voilà. Et puis on va remettre de la mana avec Ilias, en espérant que c'est pas Ilias qui a les skills. Miracle de la prêtresse, parfait. Ici, ben on va continuer. Lui, on va le faire protéger. Comme ça, c'est lui qui prendra le skill, ce sera plus simple. Tac, les PM sur tout le monde, ça peut le faire, ça. Ouais, très bien. Vengeance de Bakuya. Et lui, il a la guerre de Kanchu. Alors, il a la IR de Kanchu. Donc, là. Tac, on va continuer à mettre la Def et la Psy. On va taper avec la IR de Kanchu sur Bakuya. Hop. Voilà. Et là, on va aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Avec le sabre de gel. Si j'ai pas de bêtises. Pour pas taper trop fort, voilà. Donc là on est à 1% et là on a 6%, donc c'est pas mal. Avec le sabre de gel, normalement on devrait pouvoir y aller tout doucement. Miracle de la prêtresse, voilà. Vengeance de Bakuya, on s'en fout. Faudrait la Yard Kanchu. Je ne l'ai pas. Pour l'instant, je ne sais pas où aller. Voilà. Bon, allez, on continue. Allez, on réduit l'attaque et la magie de tout le monde. Avec lui, donc, on va sérum protecteur. Vous voyez que c'est un jeu de patience. Hein. Un jeu de patience quand on a les bons skills au moment. Pas vous prendre la tête. Hein. Pour prendre la tête. Bakuya. Tiens, je vais le taper pour dire deux, mais. C'est pas ça, à grand chose. Pas prendre grand chose, l'ami. Je vais me protéger. Voilà.
Hop, essayer de le mettre à 1% le Bakuya aussi, pour bien que ça, pour bien que ça le fasse. Elle continue, miracle. Lui, il a le Bakuya. Il me faudrait le Kanchu. Je n'ai pas de Kanchu. C'est pas cool. Mon gars a de la lumière. Et bah, il continue à breaker. Hein. Lui, il a rien, donc il va mettre sa recette spéciale. Agrias. Pour l'instant, il sert à rien. Elle, elle va continuer à faire la def. Voilà. Et Russell, elle va continuer à taper tranquillement. J'espère juste qu'on va réussir à ce que Kanchu puisse, puisse taper, donner un skill. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est eux qui donnent les skills, donc ça va le faire. Désolé, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, on va le faire. On va le faire tranquillement. Le miracle, voilà. Tac, voilà la hire de Kanchu sur Bakuya. Ça va le faire. Boum. Tac, donc là on a 4%. C'est bien. Lui, il va régénérer les PV de tout le monde. Voilà. Notre ami Agrias ne va pas faire grand chose. Et là, il va falloir faire très attention, pas faire mal. On va faire le plus petit skill possible. Je pense au coup de sabre, voilà, qui est là, où on ne devrait pas tuer. Ouh, voilà, 2% et 1%. Vous voyez que voilà, on est, ouhou, on est vraiment très très bas. C'est ce qu'il faut. Parce que au tour d'après, normalement, on devrait réussir à tuer les deux en même temps. Et si on n'y arrive pas, c'est la loose totale. Alors, il faut essayer de trouver. Est-ce qu'on a... Alors, l'air de Kanchu, je l'ai là. Mais est-ce qu'on va essayer de arriver à tuer Bakuya? La vengeance de Bakuya. Alors, ça, c'est la question. Alors, je break Def Psy, déjà, d'une part. On va voir ce que ça donne. Ensuite, avec elle, je vais heal. Ok. Et normalement, là, elle a Kanchu et lui, la Bakuya. Et eux, ils ont rien du tout. Donc, c'est pas cool. Alors, on va voir si ça fonctionne. Alors, vengeance de Bakuya sur Kanchu. Et elle est là. La hire de Kanchu qu'elle va mettre sur Bakuya. Alors, on va faire hire de Kanchu. Et on va voir si ça le tue. On finalise, si ça le tue pas, non, eh ben on finalise pas, surtout pas. On va pas utiliser la vengeance de Bakuya, on va utiliser la défense de sérum protecteur, voilà, et on va protéger les deux autres. Et normalement, au tour d'après, on devrait pouvoir tuer tout le monde. Vous voyez, il reste plus qu'un pour cent sur les deux, c'est plutôt cool. Allez, on cherche les skills, où est-ce qu'ils sont? J'ai pas. Là, j'ai Kanchu. Et là, j'ai Bakuya. Voilà. Alors, c'est très bien. Donc, alors, on va augmenter l'attaque de tous les alliés. Voilà. Tac. On va refaire notre miracle de la prêtresse. Voilà. Et ensuite, donc, on va tuer Bakuya, qui est ici, avec la guerre de Kanchu. Boum. Il est mort. Tac. Et ensuite, Kanchu, on va le tuer avec la vengeance de Bakuya, qui est ici. Boum. Et voilà. Donc ça a pris du temps. Je suis vraiment désolé, c'est un peu long. Mais bon, c'est réussi avec une team complètement free-to-play. Vous voyez que c'est super safe. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné 1300 guilds, 4000 d'expérience, 1000 d'expérience de rang... On a gagné donc, terminé l'émission, on s'en fout, et on a gagné justement les 100 lapis, l'épée de Kanchu, l'épée de Bakuya, et voilà, voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner, et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir quand je fais des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao!